Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, du scrap. Ça fait un bail hein, que j'ai pas fait de scrap. Mais vous allez voir juste après, je vous fais quelques secondes. Je vous filme. Je vais vous filmer en mode tour rapide. Que maintenant j'ai de la place dans ma pièce, que j'ai rangé comme j'ai pu ma pièce, comme ça je peux refaire du scrap un peu. Donc je vais scraper aujourd'hui une photo de mon petit-fils, celle-ci, voilà, une photo en noir et blanc. Donc c'est une photo d'école. C'est pas celle de cette année, je crois que c'est celle de l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais malheureusement, je n'ai pas mis la date derrière, mais bon. C'est pas très grave, le principal c'est de la scraper. Et puis bon, vous avez été quand même pas mal à me dire, Edith, quand est-ce que tu rescrapes? Ben oui. Donc ça y est, je rescrape. Donc, avec ma fifi, bien sûr, hein. Elle a grimpé très vite. Elle était déjà en haut, que moi, je n'avais pas encore monté deux marches. Ah, ma bébé, il a dit bonjour. Tu montes, mais tu ne dis pas bonjour. Bonjour. Bonjour, les copines à maman. Comment vous allez, les copines à maman? Ça va? Oui, non, mais c'est rien. Hein. Je suis toujours aussi ouin ouin. donc voilà, et puis bah, comme ça en plus vous aurez une petite vidéo de scrap avant que je rentre à l'hôpital, c'est pas mal hein. Oh, j'ai des bisous, oh, j'ai le droit des bisous. Donc voilà, donc on va scraper. Donc mes petits papiers sont déjà coupés, enfin presque, je pense que je vais peut-être devoir recouper un peu si Fifi me laisse faire. Alors, je vous montre d'abord le fond. Voilà. Donc, le fond, c'est ça. Alors, comme je disais, ça fait un moment que je les avais préparés, hein, ces papiers. Donc, je ne sais plus de quel bloc il vient. Je sais, c'est du Action. Mais alors, de quel bloc, je ne sais plus. Il y a celle-ci également. C'est vrai que ça fait un bail que j'avais préparé cette... Il y a un truc là, je sais pas d'où ça vient. Ça fait un bail que j'avais préparé, mais je ne sais plus de quel bloc. Donc tous les papiers viennent d'Action. Voilà. Alors celui-là est brillé aussi, mais je n'arrive pas à vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Il y a celui-là. Qu'est-ce que j'avais marqué derrière? Bon, non. Pas grave. Et j'avais préparé celui-là. Voilà. Donc, on va scraper tout ça. Je vais voir si je vais tamponner. Je vais voir si je vais couper aussi avec des dies. Ça, je n'ai pas changé. Hein. Je n'ai rien préparé à part mes papiers. Donc, on va voir au fur et à mesure, comme d'habitude. Bon, je vais ranger Fifi. Hein. Je vous la range dans un coin pour pas qu'elle nous embête. Hein, je vais te ranger dans un coin et on se retrouve tout de suite face bureau. À tout de suite. Alors voilà, je suis autour au milieu de ma pièce. J'ai réussi à ranger un peu. Voilà. Ah tiens, la fifi, comme c'est étonnant. Oui. Allez, j'ai réussi. Oh, quelle position vraiment. Hein? J'ai réussi à ranger comme j'ai pu. Bon, là, c'est notre linge à repasser. Hop, hop, hop. Là, c'est les DP. Ce sont les grands, là. Bon, ça, c'est à descendre. C'est des cartons que je dois descendre. Voilà. Donc, voilà. Donc, ma table est libre. Enfin, presque, hein. Pour pouvoir refaire du scrap en attendant que je puisse me faire un petit coin en bas.
Voilà. Alors voilà, je suis prête. Alors je ne pense pas que je vais tamponner, comme je disais. Je pense plutôt que je vais mettre des stickers alphabet. Voilà, que j'ai oublié de préparer, mais c'est pas grave, les voici. Hop, je les mets derrière moi. Non, enlève ta queue, Fifi, sinon je vais te la couper. Alors, on va commencer d'abord par ici. Fifi, s'il te plaît, non. Parce que là, tu as vraiment embêté maman. Alors, on va commencer d'abord par la photo. Fifi, non, s'il te plaît. Allez, bouge mon bébé. Va faire dodo sur le lit. Tu aimes bien faire dodo sur le lit. Hop, voilà. Alors, j'espère qu'elle va bien couper parce qu'elle commence déjà à... Malgré que je m'en sers pas beaucoup, c'est celle d'action, hein. Ouais, voyez. Voilà. Elle me fait des... Elle arrache. Mais bon, pour l'instant, je me sers de ça, hein. On se sert de ce qu'on a sous la main. Quand je pourrais, je m'en achèterais une bonne. Donc les petits bouts, je les garde pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez la même et que vous avez le tour aussi. Mais bon, action, c'est vrai que c'est bien pour pas dépenser trop de sous. La blague, pas dépenser trop de sous. Je vais me mettre. Hop. Quand on dit pas dépenser trop de sous chez Action, c'est un euphémisme. Hein. J'ai enlevé un bout parce que on rentre pour un truc, on ressort avec 10. Enfin, moi, non, hein, plus tellement maintenant. Je me suis un peu calmée. Enfin, un peu, même beaucoup. Parce que bon, j'ai quand même, enfin, j'ai quand même remarqué, non, j'ai toujours remarqué que bon, c'était pas de la qualité, hein. C'était pas vraiment le top top de la qualité, mais il y a des choses quand même qui sont bien, mais. Au bout d'un moment, ça dure pas 10 ans. Bon, loisirs créatifs, c'est bien les papiers, des choses comme ça, ouais. Mais les appareils, bah là, comme là, le massicot, je m'en suis presque pas servi. Et puis la lame, elle est déjà. Je crois que j'ai eu des lames. Je sais plus si on a eu des lames de rechange avec ce massicot. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde dans mes tiroirs si j'en ai. Hop, désolé, hein, je vous fais bouger peut-être. Ben, dites-moi si vous avez un massicot, dites-moi lequel vous avez, ce que vous en pensez. Allez. Ah. C'est bien des ongles, mais des fois c'est chiant. Voilà. Alors ça, ce truc, c'est pareil, mon poinçon, j'ai cassé ma pointe. Et je ne sais plus où je l'ai acheté. Ah non, hein, pas perdre du temps à cause de ça. J'ai cassé ma pointe. C'est malin. Alors, du coup,
poubelle pour jeter au fur et à mesure. Et je vais mettre 10 minutes à mettre la photo. Rien qu'avec ça. Voilà. Voilà. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas scrapé. Ça fait du bien de scraper. Je garde ma lame. Je sais qu'on peut remettre les lames d'une autre marque, mais je ne sais plus lesquelles. Je ne sais pas lesquelles. Enfin, je l'ai su, mais je ne sais plus. Je ne sais plus quelle marque on peut remettre. Ça c'est pareil, si vous le savez, dites-le moi. Hop, hop, hop. Bon, là aujourd'hui je fais une page. Après je réattaque l'album. Oui Sylvie, tu as bien entendu. Après je réattaque l'album. Mais c'est vrai que la page de mon petit-fils a attendu depuis un bail. Ah là là, allez. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Pas se tromper de sens, surtout, il y a un sens sur ces feuilles. Voilà, ma photo est faite pour l'instant. Je regarde les autres papiers.
On cherche dans quel sens je vais mettre. J'ai coupé au sixième. Ici. Non, septième. Ça, je crois que ça mesure. Alors, on va faire du 7,5. Pareil, on va couper 7,5. Ah. Ah, ça fait pas ça fait pas, regardez, ça va pas jusqu'en haut. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. J'aime bien travailler avec mes chutes aussi de papier. Bon, c'est approximatif pour l'instant.
Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, ben, donc mon style de scrap à moi, je sais pas si on, bon, c'est pas style français, on va pas dire que c'est style américain non plus, je sais pas. Sais pas ce que c'est exactement. C'est mon style à moi. Style français. Le scrap français pur, vraiment, j'aime pas beaucoup. Mais bon. La photo, c'est fait. Bon, faut pas que j'oublie dans quel sens je veux mettre mes papiers. Alors, pour ça, je vais remettre. On va remettre comme ça sur la table. Vous, quel style de scrap vous faites? Français, américain ou le vôtre? Allez, c'est pas possible ce double face. Voilà. Ça va, j'ai du stock en double face encore. Ce qu'il faut, c'est qu'il continue à coller, hein. Que le double face d'action, c'est ça. Bon, j'ai toujours pas réparé mon album. Vous savez, celui qui se décolle, là, faut que je le répare. Il est toujours pas réparé. Bon, j'ai toujours pas mis de photo dedans. De toute façon, je peux pas puisqu'il se décolle. Mais voilà. Ah merde, pardon. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Ah, c'est collé. Bon bah tant pis. Ah, je suis bête. Bon bah tant pis. Vous voyez, je papote et puis j'ai pas mis dans le bon sens. Bon, ça fait rien. On va laisser. C'est pas grave. Parce que là, si j'enlève, j'arrache. Ah, là, 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 là.
Bon, c'est que je me trompe pas, hein. Bon, que je me trompe plus, hein, cette fois. Là, c'est en bas et le papier noir en haut. Voilà. Et de toute façon, qu'il me reste un petit bout comme ça ici, vous voyez. C'est pas très grave parce que si jamais je décide d'encadrer cette page, je serai obligée de la recouper de toute façon, puisque les cadres, eux, font 30-30 et ces pages-là font 30 et demi sur 30 et demi. Donc pour les mettre en cadre, pour les mettre au mur, on est obligé de les recouper. Donc si vous êtes pour les couper, pensez à ça, pour les encadrer. Pensez que il faudra que vous coupiez votre page. Donc, faites attention de ne pas mettre des encadrements, des décors trop près du bord, parce que vous allez devoir les couper. Bon, si c'est une page que vous allez mettre sous plastique dans le classeur à page de scrap, là c'est pas grave puisque les plastiques de classeur à scrap font la bonne taille. Mais si c'est pour encadrer, les cadres ne font pas la bonne taille. J'ai été prise une fois, pas deux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le milieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est bien quand il y a des lignes pour trouver le milieu. Vous voyez, ça fait des... On voit un petit peu. Alors, regardez, vous voyez? Avec le massicot. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On ne peut rien y faire. Bon, les petites bandes comme ça, pas très larges. Là, je mets que un scotch. Enfin, un double face. C'est suffisant. Alors, quand, pareil, une astuce, quand vous préparez votre page, comme vous avez vu, j'ai fait d'abord ma mise en place. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Et puis que, après, vous devez coller toutes vos pièces. Pour être sûr que vous ne vous trompez pas,
prenez-la en photo d'abord avant de coller. Voilà. Vous la prenez en photo avant, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper au moment de l'assemblage de votre page. Et où ma photo? Comme ça, vous êtes sûr que, où est-ce que vous avez mis tous vos petits morceaux de papier ou vos décors. Voilà. Avant de coller, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est le mieux. Et vous prenez une photo et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à reproduire en collant. Moi, je ne pouvais pas prendre de photos parce que je suis en train de filmer. Donc, mais bon, c'est pas très grave. À part la petite erreur là, voilà. Bon, il n'y a que l'année, je ne pourrais pas la mettre, mais bon, je la demanderai à ma belle-fille. Je la rajouterai plus tard. Parce que souvent, je mets l'année. Allez. Je la rajouterai à la main avec un crayon blanc. Vous savez, le long du papier noir. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il me reste à coller cette partie-là. Voilà, vous voyez, ma petite erreur n'est pas très embêtante. Voilà. Alors, avant de coller là, est-ce que je suis tranquille? Oui. Hop. Donc, on va coller cette grande partie maintenant. Fifi, elle est embêtée parce que maintenant j'ai mis les papiers, les paniers de linge en l'air sur les chaises. Bon, elle pourrait sauter, hein, se mettre dedans, mais c'est moins pratique. Parce qu'elle adorait se coucher dans les paniers de linge à repasser. Ah là là. Petite Fifi. Pendant 2-3 jours, là, ils vont se demander où je suis passée. Ils vont dire, ben, ma maman, elle est où? Il n'y a que papa à la maison. Comment ça se fait? Ben ouais, ils aiment bien être avec papa aussi. Là que le soir, ça va leur sembler bizarre parce que Chouchou est un couche-tôt. Lui, il se couche vers 9h. Moi, je me couche vers minuit. Donc là, ça va leur sembler bizarre. Alors, Chouchou voulait dormir en bas. Mais on n'a pas de canapé, à part le canapé où c'est eux qui le squattent. Mais c'est un canapé de place, donc pour dormir dedans, c'est pas l'idéal. Hein. Donc Chouchou a déjà des mal au cou, tout ça. Donc j'ai dit, oh, ben, on s'habituer, hein. C'est pas pour 2-3 jours. Voilà. Donc si je mets alors la photo maintenant, voir où je la mets, est-ce que je la mets là?
Alors, regarde, je vois mieux à travers mon téléphone le rendu. Là, où est-ce que je le mets comme ça un petit peu en décalé? En décalé, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, j'aime bien en décalé. En décalé. Allez, hop, c'est parti. Mais je scotch, je scotch, je scotch. Pourtant, j'ai des ongles, hein. J'en ai pas toujours, mais là, j'en ai. Voilà. Donc, j'ai dit en décalé. C'est bon, c'est bon, on appuie. Donc voilà, pour l'instant, c'est presque fini, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors, est-ce que j'ai des... Alors, des fois j'ai des petites phrases là toutes faites, mais bon, il m'en reste pas beaucoup là. C'est sur les mariés, donc non. Là c'est sur les bébés, non. J'ai bisous quand même, bisous, ouais, mais joie de vivre, hein. Mais bon, c'est rose donc non. Et ça, c'est quoi? Alors, sourire de ton père. Les traits de ta grand-mère. Et pourquoi je ne mettrais pas ça, les traits de ta grand-mère. Les enfants de mes enfants. Te protégerai. Sourire de ton père. C'est vrai qu'il a le sourire de son père. La famille heureuse, nous serons toujours là pour toi. Mon papa est le plus fort, la fille à papa, tout le monde à la maison. Je ne sais plus où j'ai eu hein, ces feuilles, ça fait un bail, mais alors là, c'est sûr que ça fait un bail que je les ai, mais alors... Oh. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon. J'ai envie de mettre quand même celui que j'utilisais là. Il est où? J'ai perdu. Le sourire de ton père. Pourquoi pas? C'est pas mal ça, le sourire de ton père. C'est dommage, c'est pas marqué de ton papa. Ce serait mieux, mais bon. Alors par contre, pour avoir son... Ah bah peut-être, alors attendez, est-ce que là ça marcherait? Oui, peut-être.
Mais si je le mets pas droit, ça va pas le faire. Après, une petite règle. Bon, j'ai pris une petite, hein, de 50 cm. Voilà. Ça se décolle pas. Voilà. J'en ai pas d'autres. Hein. Je regarde. Amour, mais non. Non, les autres n'iront pas avec. Donc c'est bon pour ça. Alors, après, on va mettre Matisse. Alors, ceux-là sont peut-être un peu trop brillants. Alors, là, j'ai un M. Mais non, ça n'ira pas. Celui-là. Alors, on va regarder là. Ah, j'ai tout qui tombe. Bon, celui-là, il va pas là. Il va là. Mais bon, il faut que je vois si j'ai toutes les lettres. Hein. Donc, j'ai déjà un A. Mais est-ce que le noir va dessus? Ça me paraît... Non. Alors, on va essayer autre chose. Hein. Oh là là, c'est tout qui se... Alors, c'est bien ces lettres-là, mais bon, il faut les remettre dans des bocaux. Parce que t'as tout qui se barre. Là, hein, vous inquiétez pas, parce que je récupère mes lettres. Alors là, j'ai un M. Non, ça se voit pas. Hein. Ah, l'argenté ne se voit pas. Donc, on va mettre quoi? Là, c'est du... Non. On va mettre du rose hein, quand même. Celui-là n'est pas ouvert. On va essayer. Ou alors, on recoupe. Est-ce que j'ai un peu de noir là? Ah, c'est du fin celui-là. C'est du fin. Bon, c'est pas très grave. Celui-là, c'est du fin. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Si je recoupe.
un petit morceau de noir. Alors, les lettres font quelle taille? Voilà. Là, ça ressort. Même en argenté. Si j'ai toutes les lettres. Mon EM est abîmé, donc j'aurai pas toutes les lettres, je pense. Bon, je vais faire dans cela. Alors cela vient d'Action, hein, mais ça fait un moment aussi. Alors, j'ai le I, j'ai le H. Bon, ça va mieux comme ça. J'ai le A. Enlever ce qu'il y a au milieu. Hop. Bon, j'ai le S. Bon, le paquet était neuf, hein, donc normalement, je dois avoir un M. Voilà, le M, il me manque un T. T. Un T, s'il vous plaît. Voilà, merci. Hop. Hop, hop. Et voilà. Et donc, on va faire Matisse. Donc, elles sont autocollantes, c'est bien. Enfin, c'est bien quand on s'est enlevé la pellicule. Et on rigole pas derrière son écran, s'il vous plaît. Putain. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Oh, c'est une catastrophe. Voilà. Alors. Alléluia. J'ai posé le M. Là. Le T. Le H.
Le i. Je vais pas à la cave là, non. Non. Ça va. Et le S qui va m'embêter, vous allez voir. C'est la dernière lettre. Ah non, ça va. Et le S. Voilà. On va le recouper un peu. Alors, j'avais des ciseaux. Voilà. On va le mettre là, un petit peu plus bas, toujours dans l'esprit que si je le mets en cadre, faut que je pense que je vais le couper. Donc si je coupe, ce sera là, là, voilà. Donc là, on va mettre du double face. Et celui-là, il est fini. Super, donc je vais réentamer un rouleau. C'est pas grave, quand il y en a plus, il y en a encore normalement. Oui, j'ai eu peur. Voilà. Voilà. Donc on sait que c'est Matisse. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont adhésifs? Oui, oui, j'avais cela. Ça fait un moment que je les ai aussi, mais je m'en suis jamais servi. Donc, je vais peut-être en utiliser un peu là. Je ne sais pas lequel. Alors. J'espère qu'il colle. Je vais juste prendre la mesure déjà. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. On a un peu plus. Ah bah peut-être là. Alors, on va voir si ça colle, hein.
Je crois que ça va bien couper droit. Bon, là, je peux repasser en dessous, c'est pas grave. Alors là, il me faudrait un tout petit ciseau. Est-ce que j'ai ça? Normalement, oui, mais où? C'est autre chose. Bon, je vais prendre celui-là. Excusez-moi, je vais être un petit peu hors champ, le temps de couper. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air de coller, hein. Si je prends à l'envers, je serais mieux. Ah, c'est des bêtises. Voilà. Oh. Bon. Alors, je le mets là ou là? Non, là. Voilà, bon, il reste un petit bout que j'ai mis, je sais plus où, ouais, là, mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Oh, ben, il reste pas grand chose, hein, regardez, il reste que ça. Je vais mettre un petit bout de scotch pour que ça tienne. Ah bah j'en ai plus, faut que je remette. Bon bah c'est rien,
c'est pas grave. Bah, je vais mettre ça. Je vais mettre le petit bout qui reste. Hop. Voilà. Bon, c'est tout. Après, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Les petits neneux, j'en ai plus beaucoup, hein. Mais non, ça va pas faire top. C'est bleu, donc ça va pas. Là, ce sont des perles, mais bon, j'en mets pas beaucoup puisque c'est un petit garçon, enfin un petit garçon, il est grand hein, maintenant. Ah bah voilà, j'ai du gris. J'ai du gris, c'est très bien le gris. Alors j'avais vu mon, j'avais une pince, pas une pince, une un petit scalpel. J'ai tout rangé, hein. Alors du coup maintenant, bah, je ne retrouve plus rien. Ah voilà. Je sais pas. Je sais même pas si ça a vraiment besoin de perles quelque part. Ouais, je vais en mettre là aux quatre coins, comme si on avait mis des petites attaches pour tenir la photo. Voilà. Bon, je peux. Et est-ce que ça colle? Les toutes petites, petites, petites. Voilà, moi je pense que ça n'a besoin de rien d'autre. Hein. Je crois que ça se suffit là. Je regardais dans mes découpes si j'avais besoin de faire une découpe avec. Des cœurs ou non, non, ça se suffit. Après, ça va être trop chargé, donc voilà. Donc, voilà ce que ça fait sur les coins, voyez, avec les petites perles grises. Donc, c'est discret. Des petits rubans adhésifs que j'ai rajouté, donc avec les petits cœurs. Voilà, voyez. Son petit prénom, donc je rajouterai la date ici en blanc sur le papier noir, ou bien là, je verrai, ou encore là, hein, je peux rajouter. Mais donc voilà,
Bah écoutez, j'espère que cette... Alors, on vient de passer quoi? Presque une petite heure ensemble pour faire cette page. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes contente que j'ai fait du scrap avec vous, voilà. Maintenant, je vais ranger toute ma petite table. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous remets à la fin des photos en détail de cette petite page. À bientôt. Bisous, bisous.